8 millions de Québécois, trois fois par jour, on va manger. Les aliments, ils sont pas des marchandises comme les autres. Parce qu'on peut pas montrer un jeune à cuisiner si on n'a pas des aliments. Aussi, ce qui est important dans notre... c'est d'informer le consommateur ou le citoyen ordinaire des pratiques. Quand on parle de santé, on parle de la nôtre, bien sûr, mais celle de nos enfants, celle de nos parents qui vivent de plus en plus vieux. La santé collective, celle de nos ressources, la terre, la mer, l'eau. La santé animale, la santté des producteurs, on en a beaucoup parlé et elle est importante. Mais il faut aussi préparer la main-d'œuvre qui est déjà en place, mais aussi celle qui est à venir. Donc, il faut être capable de projeter la main-d'œuvre qu'on aura besoin pour être capable de prendre les bonnes décisions. On a besoin de personnes qualifiées, on a besoin de formation continue, de qualifiées. La relève, toute la notion de gain de capital, de ce qu'on transmet d'une génération à l'autre. Améliorer la productivité, soutenir l'innovation, favoriser la recherche et le développement. Donc, on a des producteurs qui sont prêts à faire le saut, mais ont besoin d'accompagnement. On a besoin de chercheurs, on a besoin de professeurs. Les investissements permettent l'innovation. Souvent, la clé de l'investissement, c'est l'opportunité, naturellement, du marché, mais c'est aussi les risques. L'approche par chaîne de valeur est devenue incontournable. Mieux protéger le patrimoine des terres agricoles. C'est l'occupation de notre territoire. S'il y a une économie qui est importante sur notre territoire avant probablement toutes les autres, bien, c'est l'agroalimentaire. Et on doit tenir compte dans ces stratégies-là des besoins spécifiques de ce secteur-là. Je pense qu'il en va de la vitalité de plusieurs de nos régions du Québec. L'importance de l'agrotourisme, du tourisme gourmand qui était évidemment un moteur économique des régions. On devrait mettre l'emphase sur la capacité des consommateurs québécois d'acheter et consommer les aliments d'ici. Mais préservons aussi nos acquis. Les États-Unis, c'est pas un marché qui est conquis. On a juste à peine touché la pointe de l'iceberg. Avec la compétitivité accrue dans les dernières années, on a beaucoup de questions à se poser sur notre modèle d'affaires. On parle du bien-être animal. Ça va nous permettre de garder des marchés, de développer des marchés. Préserver la biodiversité, protéger nos écosystèmes. On aime beaucoup l'approche concertée. On croit fermement qu'il faut mettre en commun nos forces. Une stratégie gouvernementale supportée par l'ensemble du gouvernement. Arrêtons, si possible, de le travailler en silo, mais de façon plus large. Et comment ça sera mis en place? Faire un contrôle annuel comme plan stratégique pour voir où est-ce qu'on s'en va. Et ça, je pense que c'est l'élément dominant de toute cette démarche-là. Un dialogue permanent avec tous nos partenaires. Un dialogue national annuel. Notre secteur agroalimentaire, une priorité économique à développer, un engagement social à soutenir, l'occasion d'une meilleure santé pour tous.